Bismillah. Assalamu alaikum. On va voir dans cette vidéo la partie numéro 1 de la chimie de l'examen national 2017 session rattrapage PC, mais elle est valable pour les autres branches aussi, bien sûr. Ça va comporter une solution détaillée avec un rappel ou un résumé de cours. Regardez le texte. Alors, comme vous voyez, l'exercice de chimie, il va comporter deux parties qui sont indépendantes. Nous, on va voir dans cette vidéo la première partie. Regardez le titre, argenture par électrolyse. Ce qu'il faut savoir, électrolyse, ça veut dire transformation forcée. Ça veut dire utilisation d'un générateur. Argenture. Cela veut dire on va former de l'argent. Voilà. Bien. Parmi les applications de l'électrolyse se trouve la couverture des métaux par une fine couche d'un métal afin de les protéger de la corrosion ou de les embellir. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par cette phrase? Regardez, on a des cuivres. On va lui faire une couverture avec un métal, lequel c'est l'argent. Voilà le but ou bien l'objectif de cette partie. Regardez, l'objectif de cette partie de l'exercice est d'étudier l'argenture d'une plaque de cuivre par électrolyse. Vous avez des données et faites attention à ce qu'on vous a donné comme couple. Les couples mis en jeu, ce sont ces deux couples. Ça veut dire qu'il va y avoir intervention des éléments de ces deux couples qu'on va signaler, bien sûr, dans la réponse. Alors, vous avez la masse molaire atomique de l'argent. On plonge totalement une plaque de cuivre dans la solution. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par totalement? Ça veut dire la masse entière. Bien. Et faites attention aux données. Alors, on plonge totalement, je reprends la phrase. On plonge totalement une plaque de cuivre dans une solution de nitrate d'argent. Voilà la solution qui va nous concerner. Et on relie la relie par un fil conducteur à l'une des deux bornes d'un générateur, l'autre borne reliée à une électrode de graphite comme l'indique la figure. Voilà. Donc le générateur, alors il est relié à la plaque de cuivre et l'autre borne à une plaque de graphite plongée dans une solution de nitrate d'argent. Bien. Lors de la fermeture de l'interrupteur, le générateur délivre dans le circuit un courant électrique d'intensité. Voilà, vous avez l'intensité pendant une durée 70 minutes. Donc, on est au cours de la réaction, pas à la fin de la réaction. Le gaz, et faites attention à ces observations, le gaz O2, dioxygène, le dégage au niveau de l'électrode de graphite. Ça veut dire, au bord du graphite, il y a dégagement d'un gaz de dioxygène. Et le métal argent se dépose uniformément sur la plaque de cuivre. Sur la plaque de cuivre, il va y avoir formation de l'argent. Faites un brouillon comme ça pour résumer les données, comme ça pour faciliter la réponse. Alors, comme vous voyez, on considère que les ions nitrates ne réagissent pas. Oh, les ions nitrates qu'on vous a donné dans la solution ici, ils ne vont pas intervenir. Bien. Recopiez sur la feuille de la réponse ou de la rédaction le numéro de la question et écrire à côté parmi les réponses proposées. La réponse juste sans aucune explication ni justification. Donc, on ne vous demande pas d'expliquer, de justifier, mais vous pouvez faire ça dans le brouillon. Alors, regardez, au cours de l'argenture par électrolyse, donc vous allez choisir l'une des réponses. Est-ce que la plaque de cuivre va jouer le rôle de l'anode, ou bien de la cathode, ou bien
Est-ce qu'elle est reliée à la borne positive ou négative? Donc, il faut faire un raisonnement, comme vous allez voir. Voilà ce qu'on vous a demandé. Alors, voilà. Donc, on vous demande la première question. Alors, avant de répondre, voilà, j'ai essayé de vous présenter les données pour faciliter la réponse. Alors, qu'est-ce qu'on a comme espèce chimique dans la solution? Nitrate d'argent. Alors, on a les ions Ag+, NO3-. Et n'oubliez pas, dans la solution, il y a toujours de l'eau. Dans cette solution, on a introduit le cuivre et le graphite. Le graphite n'intervient pas. Alors, on vous a dit dans le texte, les ions NO3-, ils ne vont pas réagir. Mais, on vous a donné des couples. Un couple qui comporte, comme vous avez vu, l'argent Ag+ et l'eau, alors que le cuivre aussi n'intervient pas. Voilà les deux couples qui vont nous concerner. Bien. Et en plus, on vous a donné l'intensité du courant et la durée. Et qu'est-ce qu'on vous a dit dans les observations? On observe au niveau du graphite le O2, mais au niveau du cuivre, formation de l'argent. Oh, regardez le cuivre. Il y a formation de l'argent. Bien. Alors, comment on obtient l'argent? À partir des ions Ag+ qu'on a dans la solution, il y a formation de l'argent. Et pour l'équilibrer, on doit ajouter un électron. Bien. Donc, ça, c'est une réduction. Bien. Et si c'est une réduction, il se produit au niveau de quoi? De cuivre. Bien. Là, voilà. Eh bien, la réduction, il se produit toujours au niveau de quoi? De la cathode. Et la cathode dans l'électrolyse, c'est toujours la borne négative. Alors que l'autre, maintenant, il va jouer le rôle de l'anode. Et il va jouer aussi, il va prendre le pôle positif. Alors voilà la réponse qui nous intéresse. Alors la plaque de cuivre, est-ce qu'elle représente l'anode ou la cathode? Elle représente la cathode, voilà, la plaque de cuivre. Et il est relié à quelle borne? Négative ou positive? Négative, donc à la borne négative du générateur. Donc la bonne réponse, c'est bien cette réponse. Là, voilà. Donc je vais la marquer comme ça. La plaque, je vais mettre le numéro de la question et écrire la phrase. La plaque de cuivre, elle représente la cathode. Elle est reliée à la borne négative du générateur. Voilà ce qu'il faut faire. Eh bien, on ne peut pas répondre comme ça au hasard. Il faut faire un raisonnement, bien sûr. Regardez la deuxième question qu'on vous a donnée. L'équation chimique de la réaction de l'électrode de graphite s'écrit sous la forme. Oh, regardez ce qu'on vous a donné. Ce qu'on vous a donné dans l'énoncé. Et c'est très, très important ce qu'on va signaler maintenant. Les couples intervenants. Oh, je reprends encore. Eh bien, le premier couple, on vient de parler, c'est ce qui se passe au niveau du cuivre. Alors, l'oxygène qui se forme, il est toujours accompagné de l'eau. Bien. Au niveau de quoi? Au niveau de l'autre électrode qui est le graphite. Alors, le O2, il provient de H2O. Alors, regardez. L'équation chimique, c'est ce qu'on cherche, de la réaction à l'électrode de graphite. Qu'est-ce qu'on vous a dit? Sachant que le couple oxydant-réducteur qu'on vous a donné, c'est O2H2O. Donc, l'équation, il va provenir de quoi? De la molécule d'eau qu'on a dans la solution, qui va se transformer en oxygène. Donc, ce n'est rien que cette équation. Où il y a l'eau et l'oxygène. Donc ici, il y a l'oxygène et il y a l'eau. Donc c'est bien cette réponse. Après, la dernière question de la première partie. La masse MAG de l'argent déposé ou bien formé, c'est la même chose. La masse de l'argent déposé ou bien formé de la plaque sur la plaque de cuivre pendant la durée de fonctionnement, et donc il y a
une réponse parmi les quatre. On ne peut pas choisir au hasard. Il faut faire un raisonnement dans votre brouillon. On ne vous a pas demandé la justification. Alors, l'équation de la réaction. On vous a dit avant que, à côté du cuivre, il se forme de l'argent. Donc, à partir, bien sûr, des ions Ag+. Ça, c'est au niveau du cuivre. Eh bien, vous avez la relation de proportionnalité des quantités de matière dont on a l'habitude de faire. Je reprends cette équation. Regardez et faites attention. Le coefficient stoichiométrique ici, 1 et 1. Donc, la quantité de l'argent divisée par le coefficient, bien sûr, l'argent formé, est égal à la quantité des électrons qui circulent divisée par le coefficient 1. Ça, c'est une écriture. Alors maintenant, j'ai déduit, je n'oublie pas que la quantité de matière de l'argent, c'est la masse déposée sur la masse molaire. Et la quantité des électrons, c'est toujours Q sur F, c'est une formule. Avec Q, c'est toujours I delta T. Je peux remplacer maintenant le NAG ici par son expression et le N électron par son expression et je trouve bien cette relation. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on cherche? La masse déposée. Donc, la masse déposée M, je fais passer de l'autre côté, je trouve cette formule. La voilà. Il ne me reste qu'à faire une application numérique. Alors, l'intensité de courant est donnée, c'est 0,4. La durée de fonctionnement, 70 minutes, et n'oubliez pas de multiplier par 60 pour la convertir en secondes. Et le F, c'est une constante, alors que la masse molaire aussi est donnée, comme vous voyez à côté. Et avec les calculs, on trouve à peu près 1,88, que je peux marquer 1,9. Alors ça, c'est la réponse. Voilà, 1,9. Non, c'est pas ça. C'est pas en milligrammes. On vient de trouver la masse en grammes. Et voilà la bonne réponse. Bien, on est arrivé à la fin de la première partie qui concerne l'électrolyse. Alors, pour voir la deuxième partie, il faut passer à la vidéo prochaine qui comporte ce que vous voyez ici. Donc, même si c'est de la chimie organique, alors ça va comporter le titrage et comme ça, vous allez avoir aussi une solution très bien détaillée. Alors, à la prochaine vidéo. Au revoir.